de Morna-Noir. Voilà, cépage originaire de la région de Mornant, donc à côté, à une dizaine de kilomètres d'ici, dans le Rhône. Alors le Morna a une particularité, notamment au niveau des bois, c'est que quand il pousse au printemps, les rameaux ont des couleurs qui sont complètement rouges. Un petit peu la couleur des petits entrecœurs, voilà. Donc c'est vraiment à ça qu'on le reconnaît. Autre particularité, c'est un cépage, il y a beaucoup de vrilles. Des vrilles très très importantes, donc quand on voit un rameau avec toutes ces petites vrilles très longues, voilà, donc on sait que c'est du mornin noir. Alors le mornin est un cépage qui était beaucoup planté dans les coteaux du Gier à la fin du 19e siècle, donc au moment de l'arrivée du phylloxéra, et puis qui a disparu un petit peu dans les années 50. En fait, lorsqu'il y a eu la fameuse liste nationale des cépages, je crois que c'était en 1956, donc le Mornin a été retiré de la liste des cépages. Il n'était plus qu'un cépage autorisé, donc on ne pouvait plus le planter. Et pour notre chance, il est resté sur Chavanais, donc dans la vallée du Rhône, une vigne qui a été plantée dans les années 50. Et c'est cette vigne-là qui nous a servi un peu de vigne-mère, j'allais dire, pour pouvoir récupérer des bois et pour pouvoir le replanter. Et le fait qu'il existait cette vigne sur Chavanais, le fait qu'il y avait aussi une bibliographie assez importante sur le Mornin, a fait qu'il a été assez facilement réinscrit sur la liste nationale des cépages. Ça a été fait, voilà, sans passer par la phase expérimentale. Donc ça a été fait fin 2011, début 2012. Et voilà, l'idée c'est éventuellement de le vinifier seul, ou peut-être de l'assembler avec un autre cépage ou avec d'autres cépages. Dans les écrits qu'on a retrouvés, historiquement, il était assemblé avec de la mondeuse, donc un cépage, la mondeuse noire, avec un cépage de Savoie, et du pointu, qui était aussi un cépage local des coteaux du Gier. Après, l'idée, c'est pas de planter 50 hectares de mornin noir dans les coteaux du Gier, mais effectivement, on est sur un petit marché de niche, parce que c'est un peu nouveau, parce que les gens aiment retrouver des goûts un petit peu passés. Du coup, l'idée c'est de. À terme, il devrait y avoir 4-5 hectares de mornin noir qui devraient être plantés dans les coteaux du Gier. Alors, soit qui seront vinifiés seuls, soit qui vont entrer éventuellement dans des assemblages, ça dépendra un petit peu de chaque vigneron. Thank you.